Bonjour, bonsoir, on continue notre aventure sur Kingdom Reborn. On va voir un petit peu ce que le jeu va nous faire cette fois-ci. Ce qu'on va avoir besoin. Donc là, on voit que le bonheur est bon. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors là, la fonderie de verre, tout est full. Ce que j'aimerais bien voir, c'est pour mes cartes. Ce que je fais comme carte pour l'instant. Alors, ici, on va faire ça pour améliorer le café. Maison trop éloignée, je comprends tout à fait. Donc voilà, ici, règle de production, on va pouvoir l'améliorer. Viabilité. Et là, c'est la boulangerie. Qu'on va pouvoir améliorer aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas voir les bâtiments qu'on peut améliorer directement et qu'on doit chercher un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce qui va nous intéresser par la suite, c'est la colonisation, hein. Pouvoir faire une colonie portuaire, ça va vraiment être la suite. Et l'ère industrielle, ben, il va nous falloir du temps, la machinerie. On verra aussi ce qu'on pourra en faire, parce que ça pourrait m'intéresser de relier ici avec des tunnels. Là, on est full en argile. Donc on va accélérer le temps. Donc on est pas mal, hein, je pense. Donc voilà ici, qu'est-ce que l'on a? Une briquerie, hutte de cueilleur, bon on va les passer. Tac, on peut passer ici, on n'a pas besoin. L'or, on va en avoir besoin par la suite, hein. Mais pas maintenant. Et au niveau champignons, on en est où? On a pas mal de champignons, on a pas mal de nourriture. On pourrait reprendre une pêcherie. Et ici, est-ce que l'on a... On a pas mal de blé, donc une nouvelle boulangerie, ça pourrait nous aider aussi. Médicinal, blé sauvage, tulipe. Il est où notre stock de blé? Là, on a 46... On va commencer par la pêcherie, hein. Et on a commencé à faire nos routes pavées. Si vous regardez bien, vous allez les voir. Lorsque le temps le permettra. Allez, on continue les recherches. Brasserie de bière, on va le faire aussi. Ici, de la bière de blé, hein. Et la boulangerie qu'on avait dit ici. Et au niveau fertilité, il faut vraiment que je développe encore des champs ici. Herbe médicinale. Du blé sauvage. Construction rapide. C'est vraiment le coin pour faire tout ça. Et un moulin ici, si on peut le placer, ça va améliorer mes champs. Hop, ça c'est fait la banque. On passe sur les connexions interurbaines pour ensuite la colonisation.
Et on va se mettre une banque. Où est-ce que j'avais dit que j'allais la mettre? Oui, c'était ici que je voulais la mettre, la banque. Et hop, beaucoup plus d'argent qui vont rentrer. 49 grâce à la banque. Faut des maisons de niveau 5. Et je vais me refaire quelques champs de cannabis ici. Je vous rappelle que ça reste un jeu. Ah, je peux pas. Je peux pas. Où est-ce que... C'est vraiment dans la zone là, le cannabis. Est-ce que j'ai une autre zone qui va me permettre d'en faire? Pas là tout près. Là, ce sera du raisin. De la teinture. Du raisin. Le cannabis est loin, hein. C'est du coton. Et c'est notre ville, hein. Est-ce que je fais conquérir pour les avoir en vassaux? Je ne pense pas. Là, c'est Rouen avec un gisement. Là, on est sur l'or, donc on est vraiment sur cette zone-ci, nous. Il va falloir qu'on aille par là pour avoir ceci. Et là, le cannabis. Mais comment je vais passer de là? Il va falloir beaucoup de terrain. Ah, je peux pas. Voilà, là je vais pouvoir relancer. Des fermes de cannabis. Vraiment être l'endroit. Là j'en ai 20. Là j'en ai un petit peu plus. Un grenier qu'on va faire ici. Et on va venir mettre quelques maisons dans ce coin-ci. Une taverne. Alors, des cueilleurs. Des chasseurs. Un bûcheron.
Et on va faire un entrepôt juste devant. Voilà, yon clac, très vite. Tout ça pour qu'ils puissent aller travailler là-bas dans les champs. On n'a plus d'argent. On va vendre. Et là, je vais avoir besoin pour déplacer ça rapidement. C'est pas la manutention, c'est le centre de manutention que j'ai besoin. Et la cible de livraison, donc il va ramasser pour venir livrer. Où ai-je mis ma banque? J'ai mis la banque là. Pour livrer le marché ici. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se développer dans cette partie-ci. Et c'est du cannabis. Et c'est trop loin. C'est trop loin malheureusement, mais donc on va l'envoyer là-bas. Trop éloigné. On va l'envoyer ici alors. Bon, on a pas mal d'habitants, il y en a beaucoup de stockages qui vont être pleins. Voilà, là les herbes médicinales, on n'a plus besoin. On va partir sur de l'exportation. Outils en acier, hein. Non, pas d'outils en acier. Chocolat, on peut pas encore le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait exporter? Ben, des outils en pierre. On va faire revenir un petit peu les finances. Au bon. Et la colonisation. Et donc là, on va coloniser par où? C'est vrai qu'on avait le cannabis là-bas au-dessus aussi. Ah, j'ai pas mal d'or dans cette région-là si je veux me lancer dans l'orfèvrerie. Mais c'est vraiment ici que ça m'intéresse. Hein. Parce que je vais avoir du cacao, du raisin, des joyaux, du coton que je n'ai pas encore. Donc deux nouvelles ressources.
Alors, où se trouve la ville la plus proche? Elle est ici, Rouen. Donc si je passe ici... Voilà, et là j'ai une route qui va me permettre de passer de l'un à l'autre vers cette ville. Ici qu'on va créer une route commerciale. Ah, je peux pas encore la faire. Faut le temps que ma route ici se construise. Une fois que ça, ce sera fait. Voilà, ça s'améliorerait niveau 4. C'est très bien. La cave à vin qu'il va falloir lancer aussi. Voilà, là, je pense que tout est fait. Oui, tout est fait. Donc on devrait pouvoir commencer à voir la route commerciale. Alors pourquoi il me dit que ça passe pas? Parce que c'est ici. Voilà, créer une route commerciale. Il passe pas. Liés ici entre eux. Ce n'est pas relié là entre eux. La route interurbaine. Hein. La route commerciale a été établie entre Dracotown et Rouen. Les revenus de la route varient selon la population des deux cités. Alors, est-ce que j'ai... Ah ben, j'ai 165 pour la route commerciale. Donc ça s'établit bien entre eux. Ah, pas plus que 7. Ça, c'est problématique. Améliorer tous les bâtiments qu'on peut ici. Hein. On les a pas améliorés du tout, ce que je vois.
Ce je diminue entretien. Je diminue l'entretien. Et on va diminuer la consommation. Hop, on améliore le bonheur au travail. Ici, c'est du niveau 2. Niveau nourriture, on est toujours bon. Voilà, on devrait être bon là. Et on va rajouter quelques maisons ici. Entre les deux. Du cacao. Voilà. Et quasiment tout est déjà full. Vous voyez, tout est full. Donc voilà, cette partie-ci devrait bien fonctionner. Et me fournir ce que j'ai besoin. Et bientôt, la colonisation. Comme on l'a dit, on va partir par là, vers le cacao. Et justement, pour travailler sur le cacao, qu'est-ce qu'il va me falloir? Chocolatier, des maisons de niveau 6, et puis ici d'abord la cave à vin. Est-ce qu'on a du raisin? On a du raisin, c'est pas fameux. C'est dans cette zone-ci le raisin. Et là, c'est les tulipes. Les stockages ici sont pleins. Pas mal d'herbes médicinales, hein, du coup. On est pas mal. Allez. J'aimerais vraiment bien lancer la colonisation. Et on est pas mal en habitation. Pas grand chose, mais ça fait vendre.
Bon, là, je pourrais la faire, hein. On est sur du plus haut niveau que du niveau 5, donc ça c'est bien. Je peux pas faire une maison. À cause de la pêcherie qui est mal mise. Ben non, j'ai bougé à pêcherie et ça n'a servi à rien. On part sur des routes pavées pour tout, hein, maintenant. Allez, colonisation, et on terminera la vidéo sur cette découverte. La teinture, c'est pas un bien de niveau 1 ni de niveau 2. Montre de poche, livre, vêtements chic. Ça va venir par la suite, je pense. Alors on va mettre du blé sauvage. Allez, là on gagne bien, hein. On gagne vraiment bien notre vie. Ici niveau 2, ils obtiennent quoi? Ça, ils n'ont pas de poterie, ils n'ont pas de tulipes. C'est bien un cannabis, hein. Les tulipes, c'est vraiment cette région-ci. La fertilité, là, elle est pauvre, hein. On est pas mal. Beaucoup de bois, hein. Même chose, ici on va vendre à plus de 2000. Voilà, l'arbre technologique, on a fini la colonisation. Ici ça c'est très bien, on va pouvoir faire la cave à vin. Et donc... Construisez une nouvelle ville portuaire avec 10 citoyens issus de votre capitale. Construisez une nouvelle ville avec 10 citoyens. Eh bien ça, je vous propose de voir dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.